Richard Latendresse continue de suivre pour nous la situation aux États-Unis. Bon vendredi soir, Richard. Bonsoir, Pierre-Olivier. Le vaccin de Pfizer contre la COVID vient d'être approuvé là, chez nos voisins du Sud et c'est une bonne nouvelle pour eux. Oui, tout le monde s'entend pour dire que ce vaccin, comme les autres, hein, d'ailleurs, lorsqu'ils seront approuvés, sont attendus comme un véritable sauveur parce que pour l'instant, aux États-Unis, Pierre-Olivier, à chaque jour meurt de la COVID autant de gens tués par les attentats du 11 septembre 2001 à Washington et New York. Vous imaginez à quel point ça peut être un traumatisme généralisé. Cela dit, nouvelle preuve qu'à la Maison-Blanche, la science passe en deuxième, comme on dit. Au cours de la journée, le chef de cabinet du président Trump, Mark Meadows, a fait savoir au commissaire de la FDA, la Food and Drug Administration, là, qui gère les médicaments et les vaccins aux États-Unis, on le voit à droite, c'est Stephen Hahn, le chauve, on lui a fait savoir que si l'approbation du vaccin de Pfizer ne venait pas rapidement, il était aussi bien de remettre sa démission. Il faut vous dire, Pierre-Olivier, que plus tôt, là, via Twitter, le président des États-Unis, ça vaut la peine de le présenter comme ça, là, avait traité la FDA de grosse vieille tortue lente. Bon, il était 7h11 le matin, ce n'était que le début de sa journée. Et d'autre part, c'est le week-end de la dernière chance pour le président Trump qui souhaite, Richard, on le sait, renverser le résultat de l'élection du mois dernier, mais il enchaîne défaite par-dessus défaite. Voilà, les choses regardent, comme on dit, augurent de plus en plus mal pour lui, alors qu'au cours de la soirée, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par le Texas. Le Texas qui était soutenu par 18 autres États gérés par les républicains, mais aussi 126 congressmen républicains qui ne voulaient surtout pas se mettre à dos Donald Trump. Ils espéraient pouvoir plaider devant la Cour suprême que la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, des États gagnés par Joe Biden, s'étaient servi de l'excuse de la pandémie pour suspendre le système qui protège l'intégrité du scrutin, notamment en facilitant le vote par correspondance. Bon, ça ne sera pas étudié par la Cour suprême. On arrive au bout des arguments. Ce qui reste déconcertant chez Donald Trump, toutefois, Pierre-Olivier, c'est que en maintenant ce ton-là, il y a des dizaines de millions d'Américains qui restent dans l'attente d'une solution. Je vous ai sorti des extraits, par exemple, d'une nouvelle congresswoman, Marjorie Taylor Greene de la Géorgie, qui est une partisane, d'ailleurs, de QAnon, ce grand groupe de conspirationnistes, mais aussi une supporteur du président Trump qui répète finalement ce que lui affirme. We all know for a fact that Joe Biden did not win Georgia. We know that Georgia re-elected President Donald J. Trump. Jesus is my savior. Trump is my president. He won't be president next month. You don't know that. You don't know that. You're assuming that because you're a news media outlet and y'all think y'all have the power to call the election. But guess what? You don't. You're a news media outlet. Don't call the election. Do you genuinely believe that he kicked Joe Biden's ass? Yes, I do. La réalité bien concrète, Pierre-Olivier, c'est que lundi, le collège électoral se réunit et va voter la confirmation de la victoire de Joe Biden à la course à la présidence des États-Unis en lui accordant vraisemblablement, si tout se passe tel que prévu, 306 voix contre 232 pour Donald Trump. Et là, le président sortant aura de moins en moins de munitions. Merci et bon week-end, Richard. Vous aussi, Pierre-Olivier.